Salut à tous et bienvenue sur hashtag notre invité du jour. Vous l'aviez identifié comme Super Kids. Et aujourd'hui, c'est une chanteuse au top. Caroline Costa est avec nous. Hashtag maintenant, générique, c'est parti. Salut Caroline, tu vas bien Très bien et toi Ça va très bien, je suis très content d'être avec toi. Ben moi aussi, enfin on se rencontre en vrai. Enfin, on se rencontre. Oui. Parce que, comme on le disait, on s'est rencontré par téléphone. Exactement. Fois, dit, mais là, on se voit en vrai. Ouais. Ça va, pas trop déçu Non, pas tout du tout. Tout va bien pour l'instant Pas du tout. Très bien, je suis on très très heureuse. On va parler avec toi, Caroline de ton album qui est juste là. Je précise qu'il n'est pas à l'intérieur parce que il est toujours chez moi. <laughs> C'est ça. Savant que je l'ai écouté, vous pouvez regarder la pochette est vide, voilà. Mais j'ai écouté <laughs> l'album. Euh, album qui est sorti le 17 novembre, c'était il y a quelques jours. Ouais. Euh, on retrouve N'abandonne pas qui est un titre un peu urbain quand même, ouais. urbain. on retrouve Que tu m'abîmes, une très très belle balade, euh, je te lis tout de suite, c'était ma chanson préférée, c'est vrai, préférée. Je <rire> <peux> <rire> pas quoi, sur beaucoup de monde c'est la chanson préférée, chanson ouais. préférée, douceur, voix, il y a tout, <laughs> euh, sur cet album on te découvre vraiment euh, ouverte à plein de styles musicaux et ouverte au monde, enfin par rapport au sujet que tu abordes, est-ce que c'est l'album dont tu avais envie là C'est concrètement l'album euh, que j'avais envie, j'ai mis trois ans le à le préparer avec mm -hmm. des équipes de malades, des artistes extraordinaires. Trois euh, ans, c'est lent, mais ça a été nécessaire, en fait, pour concevoir euh, euh, mm -hmm. ce petit bijou que, que j'ai là, dont je suis extrêmement fière. Euh, voilà, ouais. j'ai voulu euh, aborder plusieurs thèmes, mmh. des thèmes plus légers, des thèmes plus lourds à aborder. Euh, je parle ne, notamment de l'intimidation sur une chanson qui s'appelle Sally, mmh. euh, parce que c'est un thème qui me touche énormément. Euh, beaucoup trop de personnes en sont victimes et il faut que ça cesse une mmh. bonne fois pour toutes. Il euh, y a d'autres thèmes... De cette jeune Sally, voilà euh, exactement. De son donc c'est une petite histoire que, que je raconte. Il y a d'autres titres comme Ben N'abandonne pas, qui est un petit peu plus up tempo mm -hmm. et euh, qui donne envie de se mettre un petit chassé aux fesses et <laughs> se dire c'est bon, on, on, <laughs> on, on y va, on avance, on n'abandonne pas, parce que c'était un peu mon, ma, ligne de, ma ligne de conduite durant ces trois années, mm -hmm. parce qu'il y a eu des moments de, de doute. De très gros doutes. Mmh. Il y a eu des moments où bah, moi aussi j'avais envie de lâcher. Et euh, il y avait toujours cette petite voix euh, qui résonnait dans ma tête N'abandonne pas. Alors euh, voilà, exactement. Donc c'est pour ça euh, que cet album est extrêmement varié. On va retrouver des ballades, des textes qui vont nous emporter euh, assez loin euh, des textes à double sens parce que c'était ultra important pour moi. Euh, D'aimer les interpréter et mmh. que les gens réussissent à, à les interpréter à leur manière aussi. Donc, euh, donc je pense que c'est un album très complet. Je suis pas très objective parce que je suis très fière. Bah ouais, c'est ton bébé. Quoi. Voilà, c'est mon si bébé, mais ça va. <laughs> c'est vraiment très, très positif. Ça, ça, ça donne vraiment beau. du beau au cœur. Moi, j'étais bien quand je l'ai écouté. Ah, qui s'appelle ailleurs, qui est très entraînant, ouais. dans lequel tu parles de l'envie d'ailleurs. Et tu dis, je n'oublie pas d'où je viens. Je veux demander Jamais. comment euh, tu étais. Est-ce que tu étais du genre à, à demander conseil à tes proches pour tout, à essayer d'avoir leur avis Ah et bien tout, sûr, ouais. et encore maintenant. Encore, vrai, et encore maintenant, moi, je suis une personne qui ne marche pas seule. Ouais. J'aime pas la solitude. Bon, même si quelquefois je moque trop des petits moments à moi parce qu'il le faut. Hein. Mm -hmm. Mais euh, mais mais la vie des gens compte beaucoup pour moi. La vie des gens que j'aime compte beaucoup à mes yeux. Mm -hmm. Et euh, je je n'ai jamais avancé toute seule et euh, je pense que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc apprendre des conseils autour, euh, pour les avoir le très titre important. Maintenant que j'aime beaucoup aussi, existe en deux Merci. versions. Exact. L'une en solo, l'une avec Monsieur Nico Lilliu ouais. que tu as rencontré dans Sur Robin le Robin des bois. bois. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui existent en, en, en duo et que tu nous as caché pour l'instant Alors non, 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 non il n'y a pas d'autres chansons qui existent en duo pour l'instant. Ça ouais. bah, peut-être dans un futur proche, pourquoi pas. Mais euh, mais Nico, c'est c'est un choix euh, très particulier parce que c'est une personne que j'aime énormément, mmh. que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est un ami, mmh. ou que ce soit euh, dans le plutôt côté artistique, c'est une personne que j'admire énormément. Euh, il a une voix extraordinaire et, euh, et puis j'avais euh, concrètement envie de faire ce duo avec lui et par son autre. Et eh bah t'as bien fait, parce que c'est très réussi aussi. Tu chantes en anglais sur l'album aussi. Oui, I deux say chansons. hi, smile. Euh, moi, si j'étais ton manager, je te paye le billet, je t'emmène aux États-Unis. <laughs> euh, Est-ce que tu y as pensé ou pas Bah c'est un, un rêve, c'est un rêve, mais faut... on a tous des rêves, il faut avoir oui, des rêves. Il y a, y a et... ceux qui ont des rêves et qui peuvent pas le faire, mais <laughs> toi tu sais chanter en anglais et t'as la voix. Pour, pourquoi tu... Pourquoi on irait pas aux états unis là bah pourquoi pas Écoute pour l'instant. Ouais, je vois. <laughs> voilà. Dans mon pays... Ouais. Hein, si la chose est bien accueillie, et j'espère, je pense... Croise les doigts. <laughs> euh, mais pourquoi pas, bien sûr, l'American Dream, tout le monde en rêve et euh, pourquoi pas se lancer un jour ou l'autre hein Pourquoi et ça te pas Tu fait quoi de chanter en anglais du coup T'as pas l'impression de, de te lâcher plus Alors, ou... moi, l'anglais, euh, entre toi et moi, mm -hmm. euh, c'est une langue dans laquelle je me sens mais extrêmement bien. Mm -hmm. Je préfère même chanter en anglais qu'en français. Mm -hmm. euh, mais je pense que ça, c'est le problème de tous les chanteurs euh, français. Voilà, on adore chanter en anglais. Pourquoi Parce que les, les, les notes sortent plus rapidement, plus facilement. Il euh, y a des, euh, des, euh, des Sonorité qu'on ne retrouve pas dans la langue française, qui d'ailleurs est une langue extraordinaire. Voilà, mm -hmm. Moi, je suis très très fière de, de pouvoir chanter en français. Hein, en même temps, ouais, <laughs> c'est te ma langue. Aussi en français, voilà, exactement. Coup, ouais. Mais j'avais envie de me faire des petits kifs et me laisser euh, le plaisir de chanter en anglais parce que j'adore. Voilà. Eh ben on adore aussi l'entendre en anglais et en français. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview. Avec grand plaisir. Caroline Costa est avec nous. À tout de suite sur hashtag.